petits enfants traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez croco, allez croco. Broum broum, broum broum. C'est bien là, Jadou. Tu fais la voiture? T'es trop forte, hein? Best friend, best friend, you're my best friend in the world. Mia, c'était bien la surprise ce matin? Oui. T'as aimé? Oui. T'es contente? Oui. Et Joya? Joya, t'as aimé la surprise? C'était trop bien. Je les ai emmenés dans un endroit à Saint-Laurent-du-Var où il y a plein d'activités, d'éveil musical, il y a du yoga, il y a vraiment plein de trucs. Et ce matin, du coup, c'était une petite activité de printemps avec des fleurs et tout. Je vais vous mettre la vidéo et ça s'appelle Au petit loup. Donc franchement, pour les mamans qui ne savent pas trop quoi faire avec leur enfant, qui ne savent pas quoi faire comme activité et tout, c'est hyper intéressant. Donc j'ai voulu tester, je les ai emmenés là-bas. J'ai trop aimé. C'est trop bien. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat. Balade. Les amis, j'espère que vous avez passé un superbe week-end, un super dimanche. Moi, c'était super. J'étais avec les enfants. Bon, on va pas dire que pour moi, le week-end, c'est vraiment le week-end, mais en tout cas, c'est des moments précieux avec mes enfants. Et voilà, ça n'a vraiment pas de prix. De passer du temps avec eux. Je vais vous faire une annonce, une bonne nouvelle. Le samedi 25 mars, on va faire un showroom privé avec Céline. Donc, on va faire un showroom de lunettes et de bijoux. Elle va ramener toutes les dernières nouveautés, tous les derniers modèles de lunettes. Moi, je vais avoir ma collection de bijoux qui sera exposée. Vous pourrez acheter sur place. Donc, ce sera à la Môme Monte-Carlo, voilà, de midi à 18h. Donc, ça se passera à Monaco, bien sûr. Et je suis super contente de pouvoir faire ça là-bas. On aura une salle privée exceptionnellement pour nous et pour vous y accueillir. Donc, je suis vraiment hyper, hyper contente de faire ça là-bas. Mia, il n'y en a plus de la chantilly. C'est fini. Il n'y en a plus. Attends. Demain, on en rachète. Quoi? Demain, on en rachète. Quoi? Demain, on va en racheter. Maman. Le verbe acheter. Non. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ok. Ok. Allez, on jette à la poubelle, il n'y en a plus. C'est fini. Ok. On a tout compris. Mia? Oui. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que demain, c'est l'anniversaire de maman. Moi aussi. Et tu sais que maman, elle fait quel âge demain, maman? Je t'ai appris. Quel âge elle a, maman? Quoi? Quel âge elle a, maman, demain? Elle, c'est bon. 33? 33. Zan. Zan. Mmh. On devient vieille. Maman, elle est vieille? Oui. Oui? Oui. Elle est vieille, maman? Oui. Oh. Ok. Merci, ça.
Tu veux lire ce livre, Mia, t'es sûre? Ouais. Tu sais c'est qui? Non. Monsieur. C'est le livre du monsieur? Ouais. Mais c'est monsieur qui? De madame. C'est monsieur. C'est monsieur qui, dis-moi? Mais je te l'ai appris, c'est qui? Regarde. C'est qui ce monsieur? Attends, je vais le redire. C'est le monsieur de... Caca! Non! C'est le monsieur de... Quoi? Quoi? C'est le monsieur de... C'est le monsieur de Dubaï. Oui. C'est le chef. Oh là, c'est qui? Tu me l'abîmes pas ce livre, j'y tiens bien. Là, c'est qui? D'accord, maman, elle doit le lire. Là, c'est qui, maman? Non, je sais pas, fais voir. C'est. Je sais pas. La chef. La chef.